Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On reprend notre petite nouvelle mission avec Ardar, hein, qui vont ramper sous le couvert des armes jusqu'à leur cible là. On va rester assez loin des maisons au cas où il y a des trucs planqués dedans et c'est pas les meilleurs en camouflage. Hein. Ils sont très corrects normalement si je prends les fondateurs. Voilà, ils ont un camouflage correct, les rangers auraient été meilleurs, éventuellement des snipers, mais avec une seule unité, je préfère prendre quelqu'un qui peut gérer à peu près tout. Enfin, à peu près tout. On tombe sur un char de légion, on va se faire défoncer, mais si on tombe sur une petite araignée ou deux, alors peut-être pas des Rev6, mais quelques homoncules, il y a moyen qu'on puisse s'en occuper. Puis vu que ça tirait, il y a probablement de l'ennemi dans le coin. Alors il y a un truc que j'ai jamais testé dans le jeu, je pense pas qu'il soit vraiment fait pour, mais vu qu'on a de l'artillerie, ça pourrait commencer à se poser comme question. C'est justement de vraiment utiliser des unités cachées pour aller faire des reconnaissances. Genre on désactive toutes les armes sur un sniper ou un ranger et on essaie de les avancer en rampant dans un bâtiment, un truc. Techniquement, s'ils sont pas détectés, ils devraient pas se faire tirer dessus et on devrait pouvoir gagner des visions. Mais c'est assez difficile dans le jeu je pense que c'est pas trop conçu pour ça, en tout cas pour le moment. C'est assez difficile de savoir si on est détecté ou pas. Est-ce que ce truc là... améliorer vos camouflages en utilisant les bâtiments, l'herbe ou en usant de discrétion, mais si jamais on se fait repérer, est-ce qu'on s'est indiqué quelque part? Faudra que je regarde quand on sera en combat. Si ce truc là, quand on est en combat et par exemple l'œil est pas barré, ça veut dire qu'on pourrait utiliser du camouflage pour essayer de vraiment faire de la reco et sniper des trucs de loin avec nos troupes. Dans la dernière mission, j'ai eu l'impression, quand le dernier char est sorti de l'usine de Légion en bas, là, il commençait à aller vers nos troupes et il y avait le MV qui était juste à côté. J'ai dit bouge, bouge, casse-toi et tout. Il y a commencé à bouger et le char nous a vu, il a fait le demi-tour. Donc je pense que peut-être, genre, le MV était camouflé, et que tant qu'il n'est pas détecté, il se fait pas attaquer. Ah, on entend des tirs, effectivement, d'assez loin. Je sais pas si vous l'avez pu l'entendre, vous. On voit le parking, ça a l'air assez calme. Ah putain! Ils se sont levés et on a direct repéré quelque chose. C'est quoi une meute de loup? Ok, au sol. Donc on n'est pas du tout... On nous tire dessus, j'imagine, là. Ouais, on nous tire dessus. Ok, on va continuer de ramper. Donc là, on a été détecté et c'était quand même pas barré, quoi. Donc je pense qu'effectivement... On va pas avoir le choix, la reco c'est pas trop fait pour quoi. Parce que techniquement on pourrait essayer de ramper en plein milieu d'un truc de légion. Tant qu'on n'est pas détecté ça va, par contre dès qu'on est détecté instantanément la troupe elle se fait annihiler la tronche quoi. Y a pas trop de débat là-dessus. Mais par contre là, on a vu, on n'était pas repéré, dès qu'on s'est mis debout on s'est fait repérer. Allez les gars. On y est presque. Espérant qu'il n'y ait rien dans ce bâtiment. C'est des bâtiments très états-uniens. Il y en a moins en France, des bâtiments comme ça avec des... Alors non, c'est pas un couloir extérieur. Non, c'est des balcons. Pardon, je pensais que c'était vraiment un couloir extérieur qui distribuait les appartements. Mais non, c'est des balcons. C'est des balcons pour les appartements. Donc si, du coup, carrément ce genre de truc en France. Ok. Vous en êtes où? Vous progressez toujours. Pour l'instant, on voit rien. On rampe. L'occasion de zoomer un peu, ça arrive pas si souvent. Où est le mec Calso? C'est le gars derrière là? Ouais, oui, je vois, il y a rampe avec son sou dans les mains, ok. Je disais, il a ses roquettes sur le dos là, mais je pense que c'est le sou démonté en vrai. Il y a un petit bug graphique. Alors, on va se lever, attention, c'est bon, pas de truc qui gueule.
on est rentré. Visibility ain't good, but I can see satellite transmission towers on the horizon. Must be a base there. Movement. Dire que ça, ça fait bien construit. We need to get down there and find them. Les enfants? What? Get out of here. This is rats turf. We look like we're here for a turf war with a bunch of kids. This is rats turf. You want to loot stuff? Go do it somewhere else. You're the rats. You're badass. This is your turf. Got it. Look out, Whistle. Bolter convoy coming. Get ready. And you, don't get in our way. Ah ouais, la vache, ils sont... Il y a un convoi de ravitaillement. Attends. Ils sont efficaces, les mioches. Bolter, you mean Legion. You're tracking a Legion convoy? Shut up! Stop distracting us. Activity on Bolter frequencies. Hunter teams are inbound. Scram, lookouts out! Hey, ouais, ils ont fait ce qu'il faut pour suivre, quoi. Kids mentioned incoming hunter units. Look. They're just kids. Help them find what they're looking for. Ok, sauver les squads des Raz, d'accord. We blow it, sir. Too much to us. D'accord, bah ok, c'était cool, mais comment dire, on n'a pas trop eu l'occasion. Les mecs, ils auraient couru jusqu'à nous, ça passait peut-être, mais là... Ok, bon, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte du bâtiment et qu'on fonce dans le tas. Je vais peut-être regarder s'il n'y a pas une sauvegarde auto, par contre. Parce que recommencer toute la partie de rampage, c'est un peu dommage. Ouais, on repart de là, ok. Bon, après, l'avantage, c'est qu'on peut choisir éventuellement une autre unité. On va les réapprovisionner pour 76 avant de les envoyer. C'est parti. Mais on va... Je peux pas utiliser, malheureusement... Ma touche. Est-ce qu'on a une sauvegarde auto? Y a pas de sauvegarde auto. Ça, c'est quand j'ai refait l'épisode, je pense. Je vais vérifier. Ici on était, ouais c'est ça. Donc, c'était juste avant les débuts d'épisode, donc c'est pas de souci. On va y aller en courant. On se mettra au sol quand on verra les petits chiens là qui traînent. Mais oui, ok, donc en gros il va falloir qu'on sorte du bâtiment et qu'on allume parce que ils se font juste défoncer les mioches là. Et c'était des sbires, donc les sbires, si je me gourre pas, c'est ceux des ferrailleurs, hein, des maraudeurs. Ouais, c'est ça. Par contre, ils se font allumer direct, c'est un peu dommage. Allez, on a de la munition, on a des grenades. Et du monde derrière. Ok, on les a allumés au sol. On va se les faire. Putain, on est trop loin pour leur tirer dessus. Pourquoi on n'a pas de son de tir là? Ok, il y a un bug de son, on dirait. Ouais, ils peuvent pas nous tirer dessus, on est dans un trou. Par contre, on a tiré les autres derrière. Ok, ils sont gérés, on va avancer. Ok, on a réussi à se les faire, parfait, excellent. On a pris un peu de dégâts et consommé un peu de munitions. C'était probablement plus discret d'y aller en rampant, mais bon. Alors, on va se foutre au sol et on va re-sauvegarder là, par contre. Une fois qu'on puisse recharger... un peu plus vite si on doit essayer de sauver les piou-piou là. Je sais pas où ils étaient, c'était ici qu'on les défendait? Ouais, c'était là qu'on les défendait, ok. Il y en a un qui rentre, voilà. Parfait.
Visibility ain't good. Alors, ok. Ouais, parce qu'ils se prennent la mitrailleuse dans la mouille là. Non, avancez. Restez pas là, bande de cons. Essayez de prendre des balles à leur place. Ok. Ran off into the sewers. Don't give me any shit about your turf. Need to hide. More Balters coming. You want to live? Come with us. Where are we? Old sewer system, but it's been changed a lot. We demolish tunnels. So do the Balters. Then we dig new ones. You live down here? For as long as I can remember. Rats found me, took me in. What about you? What are you doing here? We're looking for a way into the Legion base. These tunnels you have here. You think you can get in there through our tunnels? Forget it. Bolters collapsed all the old tunnels set up to detect us digging any new ones. Damn. We really need to see what's inside that base. Need to keep going. We'll talk about it when we're back above ground. Hunters are gone. We can go back up. Move! We're going to blow this tunnel behind us. You want to see what's inside the Bolter base? Can't get you in there, but how about a video feed? You've got cameras in there? No, but there's the old city security network. A lot of it survived, and the Bolters just connected it up to their own network. You can access this? All the cables are routed through a central hub. The control panel's in a building outside the base. That's how we can track the Bolters' convoys and hunters. So we can use it to see inside the base? And we can get to this building through the sewers? Nope. You'll have to get to it from the surface. I'll show you where it is on your map, then I have to get back to my people. Need any help getting back? Our refuge is close. The building inside the ring at the end of the next street. Come visit us if you want. You should get out of here right now, though. Bolters have detected us and are sending hunters. Ok, le bâtiment au bout de l'impasse. Bon, on peut pas. Et nous, du coup, on veut aller ici. C'est parti, on va avancer de bâtiment en bâtiment. Ah, ils sont passés à notre, je me disais, tiens, ils ont disparu, mais non, ils sont passés à notre. Donc c'est ça l'impasse. Le bâtiment tout au bout, ça va être probablement ce truc là. C'est de prendre ce bâtiment là, observer un peu. Le danger là. Oh, je sais pas où ils vont. Pas grave. C'est pas trop notre problème. J'imagine que si on doit y aller, ils nous mettront un petit pop-up. Ah, il y a une impasse là. D'accord, ok. Ça doit être là. Ce bâtiment là, du coup, ce serait. Il y a 3 sur 26. Il y a déjà du monde dedans. Donc ça doit être ça. Ok, bon, on va sortir. On va ramper. Dextim aura reviré sa pop-up à la con. Dégage. Voilà, c'était V. Je me souvenais plus du raccourci. Allez, on traverse cette petite zone au sol. Il y a une mairie, là, il y a les trucs à drapeau. Allez. Je sais, je vous en demande pas mal, mais c'est vous l'équipe de Reco. Ardarin, on a repéré quoi? Putain. Ok, une plateforme de ravitaillement, ça va, c'est pas trop grave. Autre chose à foutre que s'en occuper, très clairement. Bon, charge pas ça. Nous fait pas repérer en allumant une plateforme de ravitaillement pour que dalle. Un server room avec un bunch of old routers still connected up and active. Great, connect us in. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Those transmitter towers are too heavily armored. No way we could destroy them with what we got. D'accord, on est à poil, hein. That generator is powering the transmitter towers, but it's armored too. Those capacitors next to it ain't. We blow them, and the wire heads ain't gonna have the juice to send anything big out on those transmitters. Never figured you for an electronics expert, Sergeant.
You don't even want to know how I picked this stuff up as a kid, sir. Alright, so we need to figure out how to get to those capacitors. Soon as the wireheads realize we're here, they're gonna try to upload the database. Legion will need time to charge up those capacitors, though. Right. But that ain't gonna take more than 5 minutes. If you're sure we can get units here that fast, then we can try that. Or we get together a sabotage team to sneak in and destroy the capacitors. Then bring in a larger force. What do you think? On aurait eu l'hélico peut-être, mais... Let's try this. On va tenter d'aller discret. You think those rats kids can help us? Good idea. We can try contacting them at their refuge now that we know where it is. Don't think one sabotage squad is going to be good enough. How much backup do you think we could put in there? Not a tank, but maybe a light vehicle and a couple of squads. Then let's do that. Get our support organized, Sergeant. You know, everything we see through these cameras, the wireheads see too. So how about we turn the radar off? Vu qu'on veut y aller par surprise, c'est sûr qu'avoir de la vision c'est cool, mais d'un autre côté, il voit aussi quoi. On va garder pour le moment. Might still be useful. Let's keep it for now. You got it. We can still see what the wireheads are up to, but they're gonna be able to see us too. Can always come back here and turn the camera feed on or off if we need to. Pour le moment, on va rester là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? De l'appui-feu. Ok, alors. On peut envoyer un véhicule léger. C'est dommage, franchement, on faisait rentrer une escouade lance-roquettes là, un truc d'artillerie, et puis on balançait de loin direct dessus, on n'en parlait plus. Hein. C'est vrai que du coup, l'inconvénient, c'est que les strikers, c'est pas du véhicule léger, donc faut quand même qu'on garde un peu de MV. Tiens, toi là-dedans, j'ai oublié de te changer. Bon, c'est pas grave, ça de toute façon c'est vide. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, un canon sans recul. Il peut être un petit peu versatile. Plus que le canon sans recul à plasma qui est spécifiquement contre les véhicules. En plus, il est plutôt bien niveau munitions. Donc, on va prendre ça. On va prendre Azul TGM qui est full en munitions. On va emporter une équipe de rangers, je pense, pour le coup, avec l'IEM. Ou le truc de mine. Ou du C4. Ok, on va emmener une équipe C4. Non, on va emmener une équipe nommée, donc du coup on va emmener les Rakam, tiens, parfait. Les Raven, ils sont un petit peu pas ravitaillés en munitions, donc on va se détendre. Et ensuite, en termes d'équipe de soutien, un snipe. On emmène Shobi Snippy qui est plutôt bien équipé. Allez, on emmène Shobi Snippy pour le plaisir. C'est parti. Ok. Très bien. Donc notre objectif pourrait être d'atteindre cette zone. Rangers reporting. Genre en conduisant sur cette route peut-être. Ça a l'air d'être assez calme. Après on voit tout. Mais ça veut pas dire que... Enfin on voit plein de trucs mais ça veut pas dire qu'on voit tout. Hein. Déjà est-ce qu'ils ont l'air de se déplacer pour nous intercepter? Non, il y a les trucs de ravitaillement qui roulent. Là, il y a une nuée explosive. Ouais, il y a des trucs qui apparaissent à droite à gauche, donc on voit pas tout. Il y a de la tourelle qui défend le périmètre. Voilà. Même amener un hélicoptère en 5 minutes, ça serait chaud. Et il y a 4 condensateurs. Par contre, franchement, on sort un Imvar ici, là. Ou deux. On les défonce, quoi. Allez go, on va essayer de progresser sur cette route en espérant qu'il n'y ait pas grand chose et on va arriver par derrière ici. En avant. Ça peut paraître réactif si besoin. Il y a de l'homoncule avec des swows ici.
C'est clair que s'infiltrer, ça va être chaud, hein. Oh putain, sur quoi t'as tiré là? T'es sûr que c'était une bonne idée ça? Ok, toi tu rush. J'aurais peut-être dû désactiver leurs armes. Qui a tiré là? Sérieux? Qui a tenté un tir de fifou sur une spider quoi? C'est peut-être le canon sans recul qui a tiré. Ouais, je pense que c'est le canon sans recul. On va le calmer un peu. Ah putain, il y a des chiens là. On va réactiver ça. Ah ouais, on est trop détecté là. Au moins ils nous font pas grand chose. Le HE fait le taf. Si on tombe sur rien d'autre, ça se fait, franchement. Là, on est couvert par les bâtiments. Je pense que c'est le sniper qui a tiré. Il a l'air de pouvoir tirer en déplacement. C'est Shobby Snipey qui nous fout dans la merde. Parfait. Où est le MV? Il est arrêté? Non, il roule. Ah, mais il a perdu un peu de capacité de mouvement. C'est ici qu'on va. Ok. Tu vas jusqu'ici. Tu devrais les distancer, je pense. Bah, quoique, c'est des chiens. Hein. L'araignée, pour le moment, nous suit pas. Vas-y, faufile-toi par ici. Pas rester ici. Barrez-vous. Ouais, c'est le sniper, hein. Ils sont capables de faire mal à un spider, mine de rien, mais... Vas-y, roule par là-bas. Attends, on est en train d'utiliser nos munitions HE là pour buter une saloperie de trucs. Voilà. Ok. On répare. Vous descendez et vous allez là. Vous rampez comme vous voulez jusqu'ici. You saved some of my rats. That's us. You're their leader? Why are you here? Just ask dumb questions? We're not here to take your stuff or steal from you. I just want to talk. Yeah? So you say? We're not that dumb. This is rat's turf. We don't want you here. Look, we're not leaving this area until we've accomplished our mission. We need to find a way to get to those capacitors inside the Legion base. You want to get inside the Boulder base? You gonna loot it? That all you damn kids think about? Looting stuff? You want loot? Plenty in that base. You help us, and you can have it. We'll do the fighting, but you just help us get in there. Shit, yeah! We know these people who love Bolter tech. They'll trade us plenty of good stuff for any of that tech we can give them. The integrators? You trade with them? Yeah, that's them. They like it when we bring them stuff from the Bolter junkyard here. Lots of good loot there. Big Bolters on tracks, the spider ones. Oh, lots of Bolter junk. A Y-head junkyard? With old tanks there? Yeah. Integrators love Bolter tanks. We took them there, and they put in controllers and took away some of the big stuff. But then the Bolters found us and sent in the hunters. Controllers? We still got some. Three of them. You want them? You hook it up to some big Bolter stuff in the junkyard, and it's yours. And then the hunters can come and kill you. Yeah. We want those controllers. You let us worry about the hunters. Definitely Y-head wannabe tech. Ok, retournez là, vous. Looks just like the one we used that new Tortuga. Maybe this junkyard is where that one came from. Attendez, Terminator F6. Alors, vous allez arrêter de tirer, vous. Qu'est-ce qu'on a? Mode de tir. Voilà, défense, c'est comment déjà? Épée, bouclier, le mode par défaut. Bouclier, mode embuscade. Ne serait-ce que lorsque l'air est repéré ou que l'ennemi est très proche. Et mode offensif. Ok, et là, mode de tir.
voilà. On se déplace. Il y a des saloperies de loups ici, mais on devrait pouvoir se les faire. Ah, excellent, il y a un... Attendez, c'est parce que j'ai activé un truc, ça? Ah! Ouais, mais non, je pense que... Enfin, on va voir quand on sera détecté, si... si du coup, il nous... le petit symbole disparaît. Mais du coup, c'est peut-être le truc dont... que je cherchais tout à l'heure, en fait. Ok, on va revenir par là, et on va essayer d'aller voir si on peut... faire des trucs ici. Pas aller tout de suite parce que s'il y a vraiment des mecs qui arrivent, il faut qu'on soit un peu plus nombreux que juste en MV pourri et 3 PO. 3 PO. La question c'est est-ce que eux vont nous détecter. On est sur une route, hein. C'est pas hyper ouf en termes de planque. Ok, ils ont attaqué. Et effectivement, on a plus le petit symbole. Putain. Alors ça, c'est très très pas bon, ça. Ok, demi-tour, toi. On va avoir besoin de ta force de frappe, probablement. Essayer de se rapprocher des bâtiments. Ah, il y a un Rev 6 qui nous charge. Ok, c'est la merde. J'aurais dû désactiver les armes pour qu'ils tirent pas. Ok, il faut courir là. Ah putain, l'autre il a tiré. Oh, le mec qui a volé. Ok. Bon bah les Rakam et Shobby Snipey qui se font raser, on n'a pas la bonne tactique je pense là. Clairement on n'a pas la bonne tactique. Alors je sais pas si on avait désactivé les caméras, ça serait peut-être mieux passé. Mais ouais, je pense qu'effectivement là, bon de toute façon ça fait un petit épisode mais j'ai fait beaucoup de Terminator aujourd'hui. Je vais arrêter, peut-être que mon cerveau n'est pas tout à fait en état. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Le prochain coup, je pense qu'on va redémarrer la phase du coup de discrétion là, parce que je commence à maîtriser un peu plus ce gameplay. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.